comment j'ai découvert le projet ? C'était dans l'hebdo du vendredi, je crois, une petite annonce qui traînait. J'ai dû la voir passer une ou deux fois avant de me décider quand même à envoyer le mail pour connaître les dates, savoir un petit peu comment ça marchait. Ce qui m'a poussée à me lancer, c'était de sortir un peu de mes habitudes. Moi, j'étais pas du tout dans le domaine du théâtre, de tout ça. Et j'avais envie de voir un peu d'autres personnes que les gens du monde médical. Donc de faire plein de rencontres, de trouver des gens un peu partout ailleurs. Trois cycles marche-pause, normal. Trois fois deux. Autrement dit, il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six, il y a six cycles. J'étais vraiment enthousiaste. J'avais la chance d'ouvrir le spectacle. C'était à la fois beaucoup de pression et un vrai bonheur. Et j'étais hyper contente en fait d'être au milieu de la scène, de pouvoir crier, de ne pas être à la place du public pour une fois, de changer de côté. Et après, avec l'équipe, il y avait plus le travail autour de la danse, autour des compositions qu'on a fait en petits groupes, qui nous ont permis aussi de nous souder, de bien avancer tous ensemble. Vous tenez la position jusqu'au noir, jusqu'à ce que ce soit complètement noir. Là, vous pouvez mettre vos mains, vous baissez les bras. Vous attendez que la lumière s'allume. Et là, vous faites un beau sourire. Ce qui était super, c'est qu'on avait des niveaux tous différents, que ce soit en danse et en improvisation théâtrale. On a tous parlé de ce qu'on aimait. On a choisi un truc simple et l'idée c'était de montrer à quel point on l'aimait. Enfin, moi je l'ai compris comme ça. Ce que je pourrais dire à une personne qui hésite à participer, qu'il faut foncer. Vraiment, c'était extra. Ça permet de se découvrir sous un autre jour, de faire de belles rencontres, de croiser des gens qu'on n'aurait pas connus autrement. Donc non, il faut vraiment faire ce genre de choses, prendre des risques et y aller. Je serais partante pour recommencer. Et puis j'avais proposé en rigolant à Bruno, à la fin du spectacle, qu'on parte en tournée. Je lui renouvelle cette demande. Bruno, si tu veux qu'on fasse la tournée, j'aime. Je signe. Wow, wow.